Wow. La souche, on la voit pas là. Fatal pour une RC, ça. Ah, petit con. Wow. Mais vaut mieux un choc de face quand même, hein. Que tout à l'heure, quand je tapais dans la souche avec la roue, ça m'a dégommé mon triangle, quoi. Et puis mon amortisseur, il n'a pas aimé non plus. Oh. Voilà, hein. Le truc, il est là aussi, hein. Football. Ah, à chaque fois l'arbre là, il est en plein dans le passage. On va le couper. Oh, je rigole. C'est les risques, hein.
Ah, dommage. Ah ben, le petit bout là, du triangle, il est parti. Ouais, cette pièce-là, là, il n'y est plus. Hein. Là, il tient plus que par là. Vache! Nom de Zeus! Voilà, j'en suis à la dernière lipo, mais quand même, quoi. Et j'aurais roulé quasiment tout le temps sans un carreau. Bon, tant que je m'amuse, pas de problème. Carreau, pas carreau, ce n'est qu'accessoire, ça pue de lipo. À la ralentie, là. Ah bah ça y est. Voilà. Plus de jus. Quatrième lipo vidé depuis ce matin. Et à la première, voilà, il clignote rouge. Et comme d'hab, je laisse mes doigts sur le moteur, sans problème. Vous voyez, ça chauffe pas. C'est nickel. C'est cool. Et ben voilà, j'aurais pu vider mes 4 lipos 4S. Hein? Et à la première lipo, quand je me suis pris la souche, bon, l'arbre aussi, j'ai dégommé mon triangle. Vous voyez? Mon triangle est cassé, il tient par là. Et l'amortisseur, voilà, également. Ouais, l'amortisseur, il a pris une claque également. Voilà. Et entre-temps, j'ai mon cardan sur un choc, il a sauté, j'ai démonté, j'ai remonté. Je l'ai remis en place. Voilà. 4 lipos de vidé. Je n'ai même pas roulé avec mon Max Day Jump. Hein? Rien à dire. Je suis content. Voilà. Allez. Je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.